Bon, bonjour, on reprend avec Juliette derrière la caméra, merci. J'aurais voulu mettre une autre couche, je ne sais pas si c'est une autre couche, mais en tout cas, j'aimerais que les surdoués finissent vraiment par comprendre. Ils se disent vraiment, nous disons, les surdoués se disent très intelligents, mais n'ont pas compris que les autres ne peuvent pas les comprendre. Alors, est-ce que vous, les surdoués, vous pourrez arrêter de vouloir obsessionnellement prendre une personne et de dire, mais si, il faut que tu vas me comprendre, mais si, je vais t'expliquer. On ne peut pas expliquer avec un coach en bave, avec un côté rationnel, quelque chose qui est du domaine du ressenti. Soit la personne, elle vous ressent, soit la personne, elle vous reçoit, soit elle n'a pas ce ressenti pour pouvoir aller au-delà de son hypersensibilité, pour comprendre votre hypersensibilité. C'est compliqué. Arrêtez de croire que les personnes qui n'ont pas cette hypersensibilité, arrêtez de croire qu'ils vont comprendre qu'est-ce que c'est qu'une sensibilité. Enfin, si moi je me pique comme ça, je fais aïe, d'accord ? C'est ça la sensibilité. Si une personne n'a pas cette sensibilité, vous pouvez la piquer, elle ne va pas sentir cette sensibilité. Maintenant, supposons que vous dites, mais si, regarde, je te pique et tu vas sentir. Elle ne sent pas. Donc il y a quelque chose qui est du domaine de arrêter de croire qu'on va pouvoir un jour vous comprendre, on ne peut pas. On ne peut pas sentir une sensibilité qui n'existe pas. C'est comme le poisson, il respire dans l'eau. Pourquoi ? Alors peut-être on peut expliquer, c'est peut-être pas un bon exemple. Mais enfin, on peut pas expliquer une sensibilité. On ne peut pas. Donc arrêtez, enfin c'est pas arrêter, faites comme vous voulez, hein, mais je vous conseillerais fortement d'arrêter de penser que les autres, à force de leur expliquer, ils vont finir par vous comprendre. Ça n'est pas possible. On ne peut pas expliquer avec un côté, en utilisant de rationnel, l'explication c'est du côté rationnel, comme je disais du côté masculin, on ne peut pas expliquer avec un côté rationnel qu'est-ce que c'est qu'une émotion qui est du côté féminin. C'est ce que j'expliquais dans la notion de anima animus, de féminin masculin. Le surdoué, il a cette obsession de vouloir convaincre l'autre. C'est marrant qu'il se dise aussi intelligent et qu'il soit aussi bête pour croire que l'autre peut le comprendre alors que l'autre ne peut pas le comprendre. Donc ça serait quand même bien que le surdoué arrête de vouloir convaincre les autres. Voilà ce que j'ai appelé ce parfum des autres qui ne peuvent pas nous comprendre. C'est pas qu'ils sont idiots, parce que quelqu'un a dit vous me prenez pour un idiot. Non, je te prends pas pour un idiot. Je pense simplement. J'en perds ma voix. Je pense simplement que dans l'hypersensibilité, enfin, on peut pas expliquer à un éléphant qu'est-ce que c'est qu'un papillon. Ouais, c'est pas mal ça. Est-ce qu'on peut expliquer à un éléphant ce que ressent un papillon ? Est-ce que l'éléphant, quand il marche sur son terrain, que j'adore. Est-ce que l'éléphant, cette force, cette puissance, quand il marche, qu'il écrase peut-être 200 000 fourmis et 300 000 papillons, est-ce que le papillon peut lui expliquer ce qu'il ressent quand il est sur une branche ? Est-ce que le papillon ou l'oiseau, beige à flore, comme on dit en français, l'oiseau, je ne sais plus comment il s'appelle, cet oiseau qu'on appelle qui embrasse les fleurs, est-ce que c'est ce ressenti du papillon sur la fleur ou de l'oiseau beige à flore, est-ce qu'on peut expliquer ça à l'éléphant ? Imaginez un petit oiseau et ou un papillon qui rencontre un éléphant et qui lui dit « Tu sais, j'ai une sensibilité, tu dois comprendre ma sensibilité. C'est que moi, quand je me pose sur une fleur, je ressens des parfums et des choses délectantes, succulentes, odorantes, parfumantes, etc. » Et l'éléphant lui répond « Mais bon, mais comment se fait-il que moi, je ne les ressente pas dans ma jungle, dans mon désert, comment on appelle ça, là où il y a les éléphants, dans ma terre, dans le sable, dans mon Sahara, comment ça s'appelle, là, dans ma jungle, enfin, je ne me souviens plus. Voilà, est-ce que c'est possible ? Eh bien, on va dire que c'est ça. Le surdoué est un papillon qui se tue à vouloir expliquer à un éléphant sa sensibilité. Voilà, ça c'est une chose. Après, est-ce que vous pouvez reprendre un singe qui monte sur toutes les branches, psychologiquement parlant, dans son mental ? Ça c'est le surdoué. Il va d'une branche à l'autre, machin, parce que son cerveau est fabriqué comme ça. Et je ne sais pas, les scientifiques vont peut-être un jour trouver quelque chose. Est-ce qu'un singe qui va d'une branche à l'autre va pouvoir expliquer ? Alors, qui c'est qui reste ? Ah oui, c'est ça, c'est le panda. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'un singe qui passe d'une branche à l'autre va pouvoir expliquer pourquoi il fait ça ? Expliquer ça à un panda qui lui reste accroché à une branche tout le temps sans bouger. Alors, imaginez un singe qui dit « Ah, toi le panda, alors tu restes attaché, mais regarde, moi je vais d'une branche à l'autre, comment se fait-il que tu ne comprennes pas que tu puisses faire la même chose ?» Ou tu puisses... Et le panda lui répond « Ah ben non, je suis sur une branche, je suis très bien, comment se fait-il que toi tu vas d'une branche à l'autre ?» Alors, le « comment se fait-il » et ben c'est comme ça. Donc, et ben, c'est la même chose. Je vois des surdoués qui se fatiguent à expliquer, pardon, même aux parents, avec tout le respect que j'ai pour les parents, qui sans intention de nuire, avec la meilleure volonté, à un moment vont se retrouver arrêtés dans la compréhension psychologique et la forme de pensée du surdoué.
C'est un autre sujet, on en parlera plus tard, des parents, des relations parents-enfants, de la non-compréhension qui s'installe avec tous les dangers qu'en ce moment, c'est en ce moment qu'il y a des abus, bon, enfin on en reparlera. Donc, ça m'a pensé, elle part par là, donc on y reviendra. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est arrêter de croire qu'un singe peut expliquer sa façon de sauter sur les branches à un panda, et que le panda peut comprendre que le singe, toute la journée, il passe d'une branche à l'autre, pour reprendre l'idée psychologique de la pensée du surdoué. Et arrêter de dire à un éléphant « Pourquoi est-ce que tu sens pas la légèreté de la fleur sur laquelle je me pose ?» Voilà, donc voilà, c'est tout, c'est triste. Et bien évidemment que c'est triste, mais acceptez-vous surdoué. Si vous commencez par vous accepter surdoué, les autres, ils vont peut-être commencer à vous accepter vous aussi. Pourquoi vouloir convaincre ? Pourquoi vouloir convaincre quelqu'un de quelque chose dont il n'a pas connaissance ? Non, c'est pas dont il n'a pas connaissance, c'est pas dont il est ignorant, parce qu'avec tout ce qu'on a dit maintenant, c'est... Mais dont il ne peut pas ressentir, voilà. On ne peut pas, à coup de masculin rationalité, expliquer quelque chose qui est de l'ordre du sensitif. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense. Il n'y a personne ? Si, il y a quelqu'un. Donc je vous embrasse très fort, et faites les papillons tant que vous voulez. Tant que vous rencontrez des éléphants, ils ne pourront pas comprendre. Mais j'adore les éléphants, tout autant que les papillons. Je vous embrasse.